Ok, yo les gens, c'est Injax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un jeu SCP. Ça fait pas trop longtemps que j'en ai pas fait un. Non, ça fait quoi, 2 semaines, un truc comme ça? Ouais, c'était sur SCP Blackout, vous avez plutôt aimé. Là, on se retrouve sur SCP 3008. Alors, je l'ai déjà fait il y a un an, je dirais. Ça date, sauf que là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises à jour. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Je vous rappelle un petit peu le contexte. SCP 3008, c'est le Ikea infini. Donc, en gros, vous êtes bloqué dans un Ikea. Et il y a des genres de mecs géants très chelous qui veulent vous fumer la nuit. En gros, c'est ça le contexte. Et il faut survivre. Voilà, c'est parti. Donc là, il y a eu beaucoup de mises à jour. Il y a eu beaucoup d'ajouts, surtout qualité graphique. Beaucoup d'ajouts aussi de survie. Parce que je vous rappelle, c'est un jeu de survie. À la base, il faut survivre aux monstres qui arrivent la nuit. Donc là, vous allez voir, ça va changer. C'est plutôt... Vous allez voir. Bon, voilà, on vient d'arriver dans le jour. Il y a déjà la qualité graphique a beaucoup changé comparé à quand j'ai fait la vidéo l'année dernière. Déjà, qui se rappelle de cette vidéo? Il y a déjà des staffs. Oh putain, ils sont là en plus. Ils sont déjà là. Regardez, ils sont là. Ils font flipper. Je vais les voir. Vous allez voir. Salut monsieur. Aïe, il m'a tapé. Faut pas aller sur lui, sinon il vous tape. Donc, je vous rappelle, hein, ils sont actifs que la nuit. Donc là, en gros, ils font rien. La journée, ils font rien. Et la nuit, ils nous défoncent la gueule, littéralement. Donc, qui se rappelle de la vidéo que j'ai fait il y a un an, hein? Il y a peu de personnes qui s'en rappellent. Pourtant, elle avait fait genre 20 000 vues. Mais je pense qu'il y a peu de personnes qui s'en rappellent vu que bah, il n'y avait pas autant de personnes à cette époque sur ma chaîne. Si vous vous rappelez, dites-le moi dans les commentaires. Hein, ça me fera toujours plaisir de voir que vous êtes des anciens. Donc aujourd'hui, on commence le mois full vidéo. Je sais pas, je vais essayer de le faire. Je sais pas si je vais y arriver. Il y a quoi ici? Oh, c'est stylé. On va voir si j'y arrive, hein. De toute façon je me suis dit si un jour bah, ça marche pas, et si j'arrive à faire les 30 jours, bah tant mieux. En tout cas pour me soutenir, hein, le petit pouce bleu ça me ferait vraiment plaisir, on fait un petit objectif aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie 2000 pouces bleus si vous y arrivez, hein. Peut-être, on verra. Et donc voilà, on commence aujourd'hui le samedi 6, le samedi je vous rappelle que c'est vidéos perso, donc c'est des vidéos qui peuvent popper de nulle part, de comme ne pas être, en fait ne pas être là. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit jeu SCP parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jeu SCP, bah j'avais fait Blackout il y a 2 semaines mais sinon ça faisait longtemps. Donc, je me suis dit vas-y pourquoi pas faire un petit jeu SCP pour commencer ce mois-ci de full vidéo. Donc je vous rappelle aussi dimanche il n'y aura pas de vidéo et il y aura sans doute un live. Peut-être, on verra. Donc, si dans le jeu, il sera dans la description pour ceux qui le veulent. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un genre de Ikea infini, comme je vous ai dit. Il y aura aussi la fiche de SCP 3008, si vous voulez aller la lire. Alors, le but de jeu, regardez, en bas, j'ai un truc de vie et une barre de bouffe. Faut survivre, hein. Je vais vous montrer déjà... Je vais essayer de trouver de la bouffe pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais là, je vais pas vous cacher que j'en vois pas trop. Donc, on verra si plus tard j'en trouve. Là, je suis dans les cuisines en plus, donc je sais pas. Bon, si sinon, regardez, il y a un truc de craft, comme vous pouvez voir, voilà, inventory, crafting et update, upgrade. Je peux, en gros, c'est vraiment un genre de RPG SCP survie. Il y a un multijoueur pour ceux qui payent, hein. Bon, ça coûte 4$ le jeu, en gros. Bah, faut le soutenir sur Patreon, mais en gros, le jeu, il coûte 4$. Et vous pouvez avoir accès au multijoueur. Donc, moi, je vais vous montrer comment ça marche. Bah, regardez, je vais prendre cette caisse, par exemple, hop. Et là, je vais bloquer l'entrée ici, voilà. Et on va essayer de survivre la première nuit comme ça, je pense. Voilà, et en gros, c'est comme ça que ça marche. Il faut, en gros, construire des machins. Ah, je peux pas drop ici, voilà, ici, je peux drop. Faut construire des machins pour pas que les staffs de l'IKEA infini nous bouffent la nuit, tout simplement. On peut aussi trouver des trucs dans la nature. Voilà, par exemple, là, il y a une batterie. Moi, je la prends. Je sais pas à quoi ça sert, la batterie, mais je pense que c'est pour une lampe, je suppose. Mais voilà, en gros, c'est un jeu de survie. Alors, je vais vous montrer, la nuit, c'est très, très flippant, la nuit. Alors, c'est ça le problème. Bah non, c'est ça, bah si, c'est un problème de tous les jeux SCP, hein. La nuit, c'est super flippant comme jeu, bordel de merde. Tiens, ici, il y a un... Ah, j'arrive pas à l'atteindre, il y a une... Ah, je peux pas. Bon, bah, il y a une batterie ici, je l'attendrai pas. Bon, en tout cas, je vais me construire un mini repère ici, parce que je sais pas, ici, j'ai envie. Et on va essayer de survivre une nuit, hein. Je vais vous montrer aussi pourquoi c'est très flippant. Pour l'instant, je construis vite fait, et après, je vous mets la nuit, et vous allez voir pourquoi c'est flippant. Alors, si je me rappelle bien aussi, on peut trouver des haches, mais c'est plutôt compliqué à trouver ce genre d'haches. On peut déjà prendre des... Ah, je peux le prendre, regardez. Hop là, et je le mets dans mon petit caddie. Regardez, même le petit caddie, je peux le prendre, je crois. Ouais, j'ai pris le petit caddie. Et là, je suis en train de rouler comme un cinglé. Chaud devant. C'est Ninjax qui fait les courses au Ikea. Oh merde. Oh, je vais m'en faire le malin. Vite, 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 vite. C'est la nuit. Ok. Alors là, il n'y a pas de staff. Pas trop, je crois. Il est où, mon repère, là où je me suis caché? C'est ici, je crois. J'ai peur, voilà, j'ai déjà peur. Oh, merde, j'aurais dû faire gaffe. Ok, je vais rester là où il y a de la lumière. Il n'y a pas beaucoup de staff, et si j'en vois un, je fuis, hein. Je vous préviens, je fuis. Voilà, cette ambiance glauque que j'aime pas, là, dans les jeux SCP.
Ok, donc voilà, faut survivre la nuit, et comme je vous ai dit, la nuit, le staff veut nous buter. Pour l'instant, on dirait pas qu'il y en a, donc ça va. Après, c'est la première nuit, j'en ai vu quelques-uns, mais faut qu'ils me voient en fait. S'ils me voient pas, ils vont pas pouvoir me buter, logique. Oh, je stresse de ouf. Avec la musique d'ambiance et tout, je stresse. J'ai peur que là, il y a un staff qui surgit de la nuit, là, et qui essaye de me bouffer le cul. Ok, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de staff qui m'a remarqué, donc je suis plutôt safe pour le moment. J'espère qu'il n'y en aura pas avant le début de la journée. Il est 11h là, donc ça va. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, j'en ai marre là de la nuit, là. Dépêche-toi, le jour, j'ai trop parlé, putain. Si j'aurais pas parlé la première nuit, la première journée, là, je me serais fait ma barricade et tout, j'aurais rien eu. Oh, il y a des bruits là, il y a des bruits. Oh, je flippe, je flippe, je vous jure, je flippe. Ok. Ouf, ça s'est rallumé. Ouf, alors voilà, c'est ça ce jeu, il est stressant, il est très 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 stressant pour ça. Il est très 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 stressant pour ça parce qu'en fait voilà, la nuit quand elle arrive, bah, vous voyez plus rien, vous devez rester dans les points de lumière où vous créez de la lumière et ça fait très 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 peur. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas ce genre de jeu. Plus mon abri il a servi à rien vu que j'y étais pas dedans. Attendez, je suis en train de reconstruire, hein. Faut encore 2-3 petites caisses. Je vais vous montrer ouais l'effet survival et puis voilà je pense. Et je vais vous montrer quand il y en aura plein des monstres la nuit. Vous allez voir, tout à l'heure j'ai lancé une game, j'en ai mis 50 pour voir et j'ai flippé ma mère. Okay. Là il y a plein de tonneaux, je peux les prendre d'ici, ouais c'est pas très grave. Alors il y a aussi tout un système de craft, j'ai la flemme de vous le montrer dans cette vidéo, mais si vous lâchez beaucoup de likes et si la vidéo elle a beaucoup de vues, pourquoi pas faire une deuxième vidéo dessus, hein. C'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir les amis. Donc je mets plein, comme vous pouvez voir, je mets plein de tonneaux pour sécuriser cet endroit. C'est pas pour rien, c'est que j'aimerais qu'il soit safe cet endroit en fait. Comme ça je pourrais vous montrer vraiment la nuit quand ils essayent de nous attaquer, et ça c'est... Ça fait peur en vrai, hein. Ok, j'ai sécurisé le plus possible que je pouvais. Regardez, je me suis enfermé avec tous les tonneaux ici. Je vais appeler des staffs, je vais les mettre moi-même. Voilà, je vais les placer moi-même, je pense. Oh non, 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 pas. Non, pas avec moi, casse-toi. Non! Non, il est avec moi, ce con! Oh, j'ai une meilleure idée, je vais me foutre là, là. Regardez. Ici, un petit tonneau, boum, voilà. Ok, c'est bon. Je vais appeler des staffs et je vais faire comme ça. Regardez, déjà. Oh, aïe 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 aïe, il m'attaque lui ce con là. Je vais balancer la nuit maintenant. Je vais mettre mon petit tonneau. Je balance la nuit, ok? Ah merde, je vais supprimer tous les staffs là. Ok, voilà, regardez, j'ai mis tous les staffs ici. Je vais balancer la nuit. Oh sa grand-mère, oh sa grand-mère, il vient. Vite, 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 vite. Ok, vous voyez, il y a un staff juste là. Il est en train de péter mes tonneaux. Il est en train de péter mes tonneaux. Non! Ah! Ah, je suis désolé! Il a pété mes tonneaux, vite, 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 vite! Vite, vite, faut trouver un pont de lumière. Il me suit pas? Il me suit ou pas? Putain, j'ai peur. Oh, j'entends des bruits. J'avance vers les points de lumière. Les points de lumière. Oui, je sais qu'il est fermé, mais vous me faites peur, monsieur. Il me fait peur, ce con. Il me suit ou pas? Il me suit pas? C'est bon? Je suis où là? Oh, sa grand-mère, j'ai peur. Ce jeu est flippant. Le truc, c'est que je les vois pas. Oh, il y en a un au bout là-bas, vous l'avez vu courir? Oh, vous le voyez là, il court. Le truc c'est que je les vois pas. Parce que là, oh, ils sont tous là, regardez, ils courent. Oh, j'ai juré, ils font flipper sa grand-mère. Je vais me mettre ici, hein, dans le coin. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va venir. C'est une bonne cachette ici. Je vais mourir de faim d'ailleurs. Bon, c'est pas très grave. Je vous aurais montré un peu le jeu. Ah, ah, ça fait peur, ah. Il se passe quoi? Ah, la grand-mère! La grand-mère! Ok. Alors sans faire exprès, j'ai appuyé sur C et ça m'a mis le menu des crafts, mais j'étais en train de me faire violenter. Ah, ah, je suis où là? Je suis bloqué, d'accord, je suis bloqué. Bonjour, je suis bloqué, je vais mourir. Oh, j'ai eu peur, sa grand-mère. Oh là là. Bon les amis, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici. Merci de m'avoir suivi en ce samedi 06. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu, 5000 pouces bleus, voilà, sinon je le fais pas. C'était Ninja, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. J'ai eu peur, je vous le dis, hein, c'est pour ça que je cut maintenant, mais j'ai vraiment eu peur. Si vous voulez le jeu, c'est dans la description. N'oubliez pas de partager, vous abonner et de mettre des likes, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à demain, non pas à demain, à lundi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gens. Ouh, oh, les jeux d'horreur, oh là là, les jeux d'horreur et moi, ça fait 17 ans. Mais je trouve ça marrant, mais enfin bref.